Morgan, allez, Yiden Letus, aujourd'hui le Nishmat, avant après Norberman Fortune Mazal, et Yedida Batesser, si vous souhaitez aussi vous aider une prochaine étude de Mishnah, complétez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma secrète Timura Perek Vav Mishnahé. Kol Ha'asurim Al-Gabei Ha'misbeach, Vladotehen Mutarim. Vlad Treifa, Rabbi Eliezer Omer, lo Ikrav Al-Gabei Ha'misbeach, Vachachamim Omrim Ikrav. Rabbi Chanina Ben Antignos Omer, Sheira Sheyanka Amina Treifa, Psula Me'al-Gabei Ha'misbeach. כל הקודשים שנעשו טרפה, אין פודים אותם, שאין פודים את הקודשים לאכלן לכלבים. Trois sujets dans la Mishnah. Première partie très très riche et assez complexe à présenter, Bezrat Hashem. On peut le faire avec, sous plusieurs couches en fait. Expliquer simplement ce qu'il y a écrit, mais il y a des problèmes du coup à approfondir, et du coup à approfondir encore plus. On va essayer de faire ça, Bezrat Hashem, assez rapidement. Kol ha'asurim al gabei misbeach, tout animal qui est interdit à monter sur le misbeach, vladotehem mutarim. Leurs petits seront permis à être sur le Mesbéar. Par exemple, on avait évoqué le cas du Etnan, là-bas c'est différent, il y a marqué Hem Velo Vladotem, c'est explicite, la Torah elle exclut le cas. Mais on va prendre un cas, on avait parlé de Nehevad, Choranoguer, un taureau qui a, un animal qui a tué. Il est impropre à monter sur le Mesbéar. Ou un animal qui a, avec lequel on a fait un Issour, quelqu'un qui a eu un rapport avec un animal. L'animal il est impropre à monter sur le Mesbéar. D'accord ? Maintenant, la Mishnah enseigne le message que si lui, il va mettre bas un autre petit, ce petit sera permis sur le misbéach. C'est ce qu'il a écrit. Et j'explique directement pourquoi. Il y a une première raison qui va être ensuite, qui va être mise en cause ensuite, à cause de celui de la Mishnah. Mais pour le moment, la vraie raison, pour le moment, ce qu'il a écrit, c'est à cause d'une halakha qui s'appelle Ze Vaze Gorem Mutar. C'est-à-dire, il y avait une brebis. Quelqu'un, il a fait un interdit avec cette brebis, donc elle est impropre à monter sur le misbéach. Vient s'accoupler un mouton, qui n'a aucun problème ce mouton. Ensemble, ils vont procréer un petit mouton, donc il y a pas un mouton, d'accord, un bélier, il va venir un bélier, et ensemble ils vont procréer un mouton qui a en fait deux causes, ouais, il y a le mâle et la femelle, ensemble ils ont participé pour créer ce mouton. La partie femelle, elle a un problème, elle ne peut pas monter sur le misbéach, mais la partie mâle, elle peut elle monter sur le misbéach, il n'a pas de problème le mouton. Zevaze Gorem Mutar, c'est une halakha assez vaste dans le chasse, qui va être. On va découvrir Rabbi Eliezer qui discute sur ça. Que Zevaze Gorem Mutar, lorsqu'il y a un interdit et une chose interdite et une chose permise, qui vont ensemble procréer quelque chose d'interdit, ils vont procréer quelque chose, cette chose créée va devenir permise, elle ne va plus avoir l'interdit. D'accord? Pour le moment, c'est clair. On déduit de là deux choses. Si le mouton lui-même, le bélier, il était lui-même interdit, parce qu'il a eu aussi, il a subi un accord, et ensemble ils sont accouplés, ils ont mis bas, dans ce cas-là, on a les deux causes, qui sont deux interdits ensemble, qui ont procréé ce mouton, le mouton il va être interdit. D'accord, premièrement. Et deuxièmement, on apprend aussi quelque chose de, si l'animal, il était, la mère, elle était déjà enceinte, lorsqu'ils ont fait le issour avec elle. D'accord, donc la brebis, elle était déjà enceinte, et quelqu'un a eu un rapport avec elle. Alors, dans ce cas-là, le petit, il est devenu interdit. Parce que cette fois-ci, ça s'appelle... Alors, ça dépend de la halakha de Ubar Yerech Imo. On a déjà évoqué, le Ubar, il est considéré comme une partie intégrante de la mère. Comme si c'était un membre de la mère. Pour le moment, tant qu'il n'est pas né, c'est un membre de la mère, réellement. Donc, si c'est un membre de la mère, alors, celui qui va avoir un rapport avec... La brebis, il a aussi un rapport avec son bras, avec sa tête, avec la brebis elle-même. Et bien, il a un rapport aussi avec le petit qui est dans son. Le fœtus qui est en ce moment dans son ventre. C'est une partie intégrante de la mère parce que Ubar Yerech Imo. Ok? Si ça vous intéresse, il y a un très long Tivret Israël qui rapporte une grande question de Rabbi Akiva Eiger, qui pose une question très pertinente. Pourquoi un homme qui a une femme enceinte a le droit d'aller avec sa femme? Peut-être qu'il est en train d'aller avec son bébé, avec sa fille. Et il y a un interdit. Ouais, c'est une question assez. Méchante, c'est sûr qu'il ne faut pas interdire, la question c'est pourquoi. Et comment expliquer ça? Le Tiferet Israël répond justement, parce que quand je te dis que Ubar Yerechimo, que le fœtus il est considéré comme sa mère, ça implique qu'il n'y a pas la mère et le fœtus. Le fœtus c'est une partie intégrante de la mère, donc si tu as le droit d'aller avec la mère, parce que c'est sa femme, et bien pour le moment il n'y a rien d'autre que la mère. Le fœtus c'est le truc. Mais lorsque sa mère va faire un interdit, et bien le fœtus aussi fera un interdit. Parce que le fœtus, c'est une partie intégrante de la mère. C'est comme si, pour le moment, c'est un bras qui pousse sur la mère, et puis après, le bras, il se détache pour devenir un être indépendant. D'accord? C'est un peu l'idée qui est véhiculée. C'est très intéressant.
Ensuite, on continue. Rabbi Eliezer Omer, lo ikrav al gabe. Eh, Vlad Trefa, j'ai sauté. Vlad Trefa, le petit d'un animal qui est taref. On a eu un animal que, par exemple, il est tombé dans les griffes d'un lion, il s'est fait prendre un coup de patte, un coup de griffe très violent. Il est maintenant Trefa. D'accord, ça s'appelle Drusat Ari. Drusat Ari, elle est devenue Trefa. L'animal, il est taref, on n'a plus le droit de le manger. Dans les 12 prochains mois, c'est sûr qu'il va mourir, comme on a expliqué, parce qu'il a RS. Il a un RS, il a un venin dans les. Il a quelque chose qui véhicule, qui tue. Il a du feu dans les. D'accord? Du feu dans les pattes qui font qu'il va le tuer. Maintenant. Cet animal, pour le moment, ensuite, il va mettre bas. C'est une brebis, elle va mettre bas. Ça s'appelle un Vlad Trefa. Sur ça, on a une discussion. Et ça va être compliqué à expliquer la discussion, et sur ça, ça va retourner toute la Mishnah dans tous les sens. Pour le moment, je traduis Vlad Trefa, le petit d'un animal qui était taref, donc une brebis qui était Trefa. Rabbi Eliezer Omer, Loïka Valgaba Misbeach. Rabbi Eliezer pense qu'on ne pourra pas le faire monter sur le Misbeach. Il est devenu lui-même taref. Vachachamim Omrim, et Vachachamim pense que Ikrav, on pourra le faire monter sur le Misbeach. Bartanoa, il explique une chose, il y a un grand problème dans le Bartanoa, c'est pour ça que Tosot Yom Tov, il parle. Pour le moment, je prends les choses simples du Bartanoa, assez admises dans l'ensemble, parce que ça dépend d'une Gemara en réalité. Il y a d'abord une Mahlo. Pour le moment, donc retenez bien, on a parlé qu'il y a une mère qui était très fa et qui a mis bas. Est-ce que le petit l'interdit ou il n'est pas interdit? Mahlo Ket, Rabbi permet, et Rabbi Eliezer au serre. De quoi on parle exactement? Alors là, c'est compliqué. Il y a une Mahlo Ket dans la Gemara, à savoir, est-ce qu'un animal qui est taref, il peut mettre bas? Ouais, imaginez un animal qui a avalé une aiguille, même, et peut-être qu'il s'est fait perforer le poumon, et qu'il va mourir dans la prochaine année. Il est probablement taref. Et il met bas. Est-ce qu'on pourra... Alors, question d'abord. Est-ce que concrètement, matériellement, physiquement, je sais pas comment dire, biologiquement, est-ce qu'il est apte à mettre un animal bas? Est-ce qu'il est apte à accoucher? Et la réponse, ça dépend d'une marque loquée dans la Gemara. Est-ce que Trefa est Yoledet ou Trefa Ena Yoledet? Elle peut tomber enceinte. Est-ce qu'elle peut mettre bas ou est-ce qu'elle va forcément claquer au moment de l'accouchement? Grande marloquette. Il y a un avis qui pense que Trefa Yoledet. La Trefa, elle peut mettre bas. Elle peut à la fois tomber enceinte et mettre bas. D'accord? Donc de ce fait, selon cette marloquette, ça va interpréter différemment la marloquette de Rabbi Eliezer Chachamim. Selon cet avis, donc, on est en train de parler en fait d'un animal que. Elle est devenue taref, c'est exactement le même cas que la Reisha. On avait une brebis qui était tréfa, et puis après qu'elle était tréfa, eh bien elle est tombée enceinte, et Chachamim vont permettre pourquoi, même comme ce qu'il avait écrit dans la Mishnah au début, Zeva Zegorem Moutar, un interdit et un Issour qui vont procréer, et un quelque chose de permis qui vont procréer un être, maintenant cet animal-là il va être permis, ça c'est la vie de Chachamim, mais Bémet Rabbi Eliezer il est Cholek. Parce qu'il va penser que Zeva Zegorem Assour. Dès qu'il y a un interdit qui va se mélanger pour procréer, eh bien, le fruit sera interdit à la consommation. D'accord? Comme ça, ça s'explique. Selon l'avis qui pense... Ouais, je vous mens un petit peu, je fais abstraction pour le moment d'un problème qu'il y a dans le Bartanoa. D'accord? On met ça de côté. Et pour le moment, je continue, je passe maintenant selon le deuxième avis. Qui pense qu'un animal taref ne peut pas tréfa et naïo les dettes, ça veut dire un animal taref ne peut pas à la fois tomber enceinte et mettre bas sans mourir, alors on ne peut plus parler du cas, où on va forcément parler du cas où elle est devenue tréfa lorsqu'il y avait le petit qui était dans son ventre. Donc elle s'est mangé un coup de patte par exemple, lorsqu'il y avait le petit qui était déjà dans son ventre. On va parler dans ce cas-là de un coup de patte du lion par exemple. Et sur ça, Rabbi Eliezer qui va dire que tu ne pourras pas la faire monter sur le misbéach. Et Chachamim vont dire, tu peux le faire monter sur le misbéach. C'est une marloquette. Est-ce que Ubar Yerechimo ou Ubar Lav Yerechimo? Est-ce que le petit est considéré comme partie intégrante de la mer ou comme pas comme une partie intégrante de la mer? C'est-à-dire, selon Rabbi Eliezer, tu ne pourras pas le faire monter sur le misbéach parce que Ubar Yerechimo, le Ubar, il est partie intégrante de la mer. Donc, le coup de patte qui s'est mangé, l'animal, eh bien, il a autant qu'il a rendu taref la cuisse ou le bras ou l'oreille de la mer, il a aussi rendu taref le fœtus. Les Chachamim vont te dire non, ou bar la virechimo. Le fœtus n'a pas un statut, c'est pas la même chose que la mère. La mère, elle s'est mangée un coup de patte, elle va mourir, le petit, il n'a pas de raison de mourir, il n'est pas taref. Voilà pour tel que c'est présenté. Il y a maintenant une tonne de problèmes. D'abord, selon la deuxième interprétation, alors on a un problème technique d'abord. Donc on est en train de conclure que finalement, Chachamim pense que ou bar la virechimo. Il y a 5 minutes, on a dit le contraire quand on a étudié le début de la Mishnah.
On a expliqué que par rapport à, si toutefois la mère elle a eu un rapport alors qu'elle était déjà enceinte, le petit sera lui aussi interdit, parce que Ubar hier et Chimo, le Ubar, le petit il a lui aussi eu un rapport, puisqu'il est parti intégrant de la mère. Il y a déjà un premier problème. Et sur ça, le Tosot Yom Tov, il propose une réponse, Alpia Tosot, je crois que c'est, là, l'origine, que de répondre comment elle est née. C'est partiellement, ça dépend pourquoi. Pour les choses sur lesquelles il est dépendant de la mère, alors, au barrière de Chimo. Le fait de... Il vit pour le moment dans, chez la mère, donc il est considéré comme la mère. Maintenant, par rapport spécialement à la Halakha de la Tréfa, lorsque la mère, elle est devenue mourante, imaginez un animal qui est devenu mourant, mais à moitié. Il réussit à se décomposer et puis à reconstruire un autre animal en bonne santé du reste de son corps. C'est un cas farfelu, ça n'existe pas, si ce n'est le cas, si ce n'est ici. Imaginez, ouais, qu'il y a un animal qui se prend un coup de patte d'un lion sur la cuisse, mais que le bras, il n'est pas du tout affecté, puis le bras, lorsque tout le corps, reste du corps va mourir, le bras, il va pouvoir se reconstituer en forme d'un autre mouton. En réalité, il s'avère que le bras, il n'est jamais devenu taref. Ouais, ça n'existe pas un cas pareil, mais ça existe dans ce cas de figure. C'est vrai que le fœtus, il est considéré comme une partie intégrante de la mère. Mais cette partie intégrante de la mère, lorsque la mère se mange un coup de patte, celui, cette partie intégrante, lui, il est viable encore. La mère, elle va mourir, et bien le fœtus, il va sortir, et puis il va continuer à vivre. Ça existe, hein, une mère qui meurt, et puis après on fait sortir le petit, il est encore vivant. Il respire indépendamment, il a une vie indépendante de la mère. Dans ce cas-là, par rapport à cette halakha spécialement de la tréfa, ou bar la virechimo. Voilà à peu près ce qu'il a dit. Maintenant, il y a un énorme problème. Un énorme problème, le Bartanoï qui dit une chose qui ne s'arrange pas du tout. C'est rapporté à partir de Rashi en réalité. Et tout soit, ils sont à fond contre. On a une discussion maintenant sur le vlad de la tréfa, est-ce qu'on peut l'apporter sur le misbeach, le petit de la tréfa, est-ce qu'il peut monter sur le misbeach. Le Bartanoï nous dit, bon, toute la marloquette elle est pour le faire monter sur le misbeach, mais t'as le droit de le manger. Donc, je traduis, si un animal tarif qui va s'accoupler avec un animal qui n'est pas tarif, et qu'ensemble ils vont mettre bas un animal, alors on aura le droit de le manger. Je rallonge pour rien, c'est dommage. Je préfère le dire clairement, quoi. Le Bartanoï, il nous dit que toute leur marloquette est uniquement sur l'interdit du misbeach, mais t'as le droit de le manger. Et tout soit, tu prouves de la Gemara que c'est pas possible, qu'il faut nécessairement dire qu'il y a la même marloquette sur le misbeach, elle est même aussi par rapport à la consommation d'après Rabbi Eliezer. Dans tous les cas, Zébazégorem, sûr. On s'arrête là par rapport à ça et on continue avant. Ensuite, Rabbi Hanina ben Antignos Omer. Rabbi Hanina ben Antignos enseigne. Kshera sheyanka mina trefa psula me algabei amisbeach. Il nous dit comme ça. Un animal kasher, qui a bu du lait d'une trefa, eh bien, il est impropre à monter sur le misbeach. Il est impropre à monter sur le misbeach. C'est-à-dire, donc, vous avez compris, on a parlé d'un animal qui a bu du lait interdit. Grâce à ça, il va vivre maintenant pendant les prochaines 24 heures, comme ça le Bartanoï explique. Pendant les prochaines 24 heures, il va réussir à vivre grâce au lait qu'il a bu. Pendant ces 24 heures-là, il est impropre à monter sur le misbeach. Après les 24 heures, la nourriture elle a été complètement décomposée. Le fait qu'il vive grâce au fait qu'hier il a mangé un interdit, alors ça ne va pas lui provoquer un interdit, même mieux que ça. Il rapporte tous une noix à mes fourchettes. Si un animal qui a mangé même des karchinei à Vodazara, il a mangé quelque chose qui était de la Vodazara, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Alors, une fois que la nourriture qu'elle a ingurgitée, il va complètement se perdre dans son corps, il va complètement être assimilé. Donc ça prend 24 heures, sur le mazon mit achel bemea, pour que la nourriture se décompose dans son corps complètement, ça prend 24 heures. Après les 24 heures, tu as le droit d'en tirer profit, ça a complètement disparu. Mais pendant les premières 24 heures, Rabbi Hanina ben Antignos Omer, certes, tu as le droit de manger l'animal. Je pense qu'il n'y a pas de discussion sur ça. Ils ne discutent pas, est-ce que c'est propre à la consommation. Mais par rapport au misbeach, il y en a interdit. C'est répugné, selon lui, et Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Fin de la Mishnah. Tous les animaux saints qu'on a sanctifiés pour en faire un korban, qui sont devenus taref. C'est-à-dire, on ne parle pas qu'il s'est fait un ciseau l'oreille. On parle qu'il s'est fait arracher une patte entièrement, mineur couvert ou le malade, de manière à ce qu'il est plus apte à être consommé, même par un. Même, ouais, une, de manière qu'il est devenu taref. Est-ce qu'on va lui racheter la gdoucha ou non? La Mishnah m'enseigne quoi la kodoshim shena sutrefa, tout animal kadosh, qui est devenu taref, en podimotam, on ne pourra pas le racheter. Il faudra que tu apportes un autre korban à la place. Lui, tu le laisses mourir. Il n'y a plus rien à faire avec lui. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que tu veux le racheter?
Tu veux le racheter pour ensuite le donner à manger, quoi. Toi, tu ne pourras plus le manger. Il est impropre à la consommation. Pourquoi tu veux le racheter? Le tondre, c'est interdit. Giza avoda, tu n'as pas le droit de travailler avec lui. Le donner à manger au chien, c'est aussi interdit. Donc pourquoi tu vas le racheter? Tu n'as aucune raison de le racheter. Eh bien, c'est ce que la Mishnah enseigne. En podim otam, tu ne le rachèteras pas. Pourquoi? Chez en podim et akudashim, la chelan akavim, on ne rachètera pas un animal kadosh pour le donner à manger au chien. C'est du pasouk. Que sur le psaume de la Chine, Tisbar v'achalta basar, Tisbar velo giza, v'achalta velo le kalbecha, basar velo chalav aussi, on n'a même pas le droit de l'élever pour lui prendre son lait. Le lait kadosh aussi est interdit. Tu as juste le droit de manger sa viande, il n'y a rien à faire avec sa viande. C'est grillé, on n'a plus rien à faire avec ce korban, donc on ne le rachètera pas, on apportera un autre à la place. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'aslacha kol tov, salam.